Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo d'RTS. Donc aujourd'hui Mission 4 Full Plastic Jacket, qui est une référence au film Full Metal Jacket. Bon, donc après avoir réussi la fameuse Mission 3, très rageante, très longue et très périlleuse, où on a dû tout simplement détruire la petite lampe d'électricité des Belges dans leur potager, qui leur faisait d'électricité, on se retrouve maintenant à la Mission 4, tout simplement aux alentours de la niche du chien, pour s'approcher de la porte et surtout pour finir par entrer dans la maison. Donc c'est parti. Alors Mission 3, pour ceux qui ont vu, très rageant, très longue, parce qu'on n'avait pas de base. Et donc là, heureusement, le retour du bulldozer, on va pouvoir construire une base, se développer tranquillement, et donc réussir la mission, je pense, plus facilement du coup, puisqu'on aura une base. Ok. Alors regardez bien, ça marche très fort. Le mec se déplace avec ses jumelles, hein. C'est pas les jumelles qui tournent, c'est vraiment lui qui se déplace avec les jumelles. Donc, fort. Ah, scorch. Well, this ain't gonna be easy. Anyone feels like turning tail? Bien, ses pantalons rifle. Je sais pas ce que c'est. Scorch qui fait bien étudiant américain avec son petit Marcel, ses muscles et sa belle coupe de cheveux. Scorch qui m'avait d'ailleurs bien saoulé dans la mission 3, rappelez-vous, parce que tout simplement c'est un lance-flamme et le lance-flamme tire de près. Et du coup ça m'avait saoulé, parce que le mec il prenait plein d'initiatives, il se mettait en avant, il se prenait tous les dégâts et enfin, plein de fois il a failli mourir, du coup, c'était relou. Donc là je commence directement à développer ma base, j'active le code Brainseek et on va sans plus tarder regarder les objectifs de médaille d'or. Pick up all bonus, prendre tous les bonus, finir en moins de 30 minutes, ça peut être possible, 30 minutes j'espère que ça sera suffisant. Et prendre tous les bonus, il me semble que je sais déjà où ils sont, donc ça devrait aller. Ok, donc sans plus tarder on prend notre fameuse compagnie Bravo. Et on fonce vers le premier bonus qui, il me semble, est vers en bas, vers le tuyau d'arrosage, voilà. Du coup, là, je commence à développer ma base avec le bulldozer. Ce qu'on va faire, hein, c'est que les bâtiments que je vous ai déjà présentés, je vais pas vous les représenter pour pas perdre de temps. Et ce qu'on n'a pas encore vu, justement, je vous le présenterai. Donc, je vais dire, au niveau des collecteurs, faites minimum 5-6, hein, tout simplement pour le plastique. Ok, Sarge qui nous tape une belle pointe dès le début. Il est très motivé aujourd'hui, il est très chaud, hein. Il est comme moi, il a envie de gagner cette fois. Ok, ah, une petite grenouille, hein, pour la diversité. L'animation est assez bien faite, hein, il y a du décor, il y a... de la mixité naturelle, je sais pas comment on peut dire, une biodiversité dans le jardin incroyable. Ok, alors mitrailleur, attention, ça pique. Surtout, il m'attaque encore Scorch. Rien que Scorch, vous voyez, encore il se met devant, il prend tous les dégâts. Bon, on va pas lui reprocher, hein. On va essayer de pimper son lance-flamme pour qu'il tire de plus loin, je sais pas si c'est possible. Non, c'est pas possible, mais ça pourrait être pas mal. Et regardez-moi cette foulée que peut nous faire Scorch. Il a un dépôt. Oh merde, attention, on va pas faire le con dès le début. Ouais, du coup, comme je disais, Scorch, regardez la foulée qu'il fait, ce grand mouvement de jambes incroyable. Je connais personne qui court comme ça, là. Court un peu comme un canard, on va dire. Je sais pas, les grandes pattes en avant. Bon. Ok. Au niveau de la base, ça se développe, c'est bien. On va faire une petite caserne, tranquillement. Pas perdre trop de temps, parce qu'il faudrait pas que je me fasse attaquer non plus. Mais on va chercher le bonus. Scorch qui rentre, hein, parce qu'il a pris des dégâts, il suit la petite grenouille, parfait. Les collecteurs qui ramassent le plastique, ça va, on est bien. L'électricité aussi. Alors, le bonus, il est là. Est-ce qu'il n'y a pas une mine au niveau du bonus? Non, ça va, ils sont cool. Ok, weapon boost, bah mon préféré, tout simplement, parce que on augmente nos dégâts. Bonus armement qui n'est pas comme Brainseek, faites bien attention à ça. Hein. Brainseek, dégâts des ennemis, x2,5, je le rappelle, tandis que le weapon boost, dégâts des ennemis... non, nos dégâts, x2. Donc les ennemis ont encore un avantage de 0,5. Faire attention à ça. Ok, je pourrais améliorer mon QG, il me semble, mais je vais pas le faire, parce que... on a... Ouais, si on a 5 collecteurs, allez, on va le faire. Parce que j'aurais bien aimé faire tous les collecteurs d'abord. Merde. Ok. Ok, ok, on se fait attaquer, donc les gars, appliquez vite. Ok. Ouais, bon bah, à tous les coups, la caserne va y passer le temps que les autres arrivent. À moins que j'arrive à gagner un petit peu de temps. Attention, feinte de la grenade. Hop. Je les attire un peu, je les occupe. On est deux. Ouais. Oh putain, ils sont combien? Sarge. Il va nous sauver. Ok. En fait, j'ai pas envie de perdre ma caserne. On esquive les grenades. Voilà, bien vu, les gars. Allez, Sarge, voilà, Sarge fait le boulot. On va esquiver la grenade, bien joué les gars. Merde, bon bah, le mec est mort. Oh, il l'a feinté parce que le mec a encore anticipé la grenade et il l'a tiré n'importe où. Ok, pète pas la caserne s'il te plaît. Où est mon bulldozer? Ouais, hop. Donc là on va faire des garages maintenant. Les garages on les a déjà vus, pareil, donc je vais pas réexpliquer. Faire les véhicules, c'est assez simple. Par contre... niveau plastique, on est pas ouf, un garage c'est 400 de plastique, j'aimerais bien faire au moins 2 quand on est un peu limité dans le temps, pour aller plus vite du coup. Oh là là, et gênez pas les collecteurs. Et 12 Scorch. Ouais. Scorch est assez déjà
Ma caserne elle est fumante, elle a pris cher. Bon. Heureusement qu'il y avait les deux petits gars qui nous ont esquivé les grenades. Bon, ils sont morts, mais tant pis. Zut, plus de plastique. Vous voyez l'avantage d'un vendeur, plus de beaucoup de collecteurs, hein, je le répète beaucoup, mais vous voyez le plastique là ça s'enchaîne. Une benne de plastique c'est 150, une benne d'électricité c'est 150 aussi. Mais étant donné qu'on fait vite nos garages, vous voyez, on profite même pas des 150, ça part tout de suite. Hein, c'est... Le problème d'être endetté, c'est qu'il faut rembourser les dettes. Ok, voilà. On va faire des petites ambulances. Scorch va pas devant, t'es déjà un petit peu handicapé. Hop. Ok. Ouais, les bennes de plastique ça s'enchaîne, mais je vais pas prendre trop de plastique, je vais prendre aussi l'électricité, tout simplement parce qu'on va faire des véhicules qui vont coûter cher en électricité. Notamment le char hein, qu'on peut faire pour la première fois, donc là je vais le montrer. Qui est pour moi tout simplement la meilleure unité du jeu, je pense, sans trop abuser. Tout simplement parce que le char c'est dégâts de zone et c'est aussi beaucoup de résistance, et ça c'est génial, et c'est aussi beaucoup de dégâts, donc en fait tout est cheaté. La seule limite du char que je peux trouver c'est que simplement il tire pas en l'air. Bon, c'est encore léger je trouve. Par contre sa portée elle est cheatée, il tire de très très loin le char et ça c'est génial. Ok. Donc là, regroupez bien vos unités pour guérir ensemble, sauf Sarge là qui part encore au combat. Eh, mais ils nous enchaînent ici, hein, ils sont vraiment pas cool. Je préfère qu'ils soient ici plutôt qu'en bas où on va chercher l'électricité tranquillement. Ok, donc là le tank arrive. J'ai pas trop mal de plastique. J'aurais bien commencé à attaquer pour pas perdre de temps. Donc attaquer, on va se diriger tranquillement vers la porte pour tout simplement entrer. C'est l'objectif, hein, d'entrer dans la maison cette fois, après être passé par les caves et tout, c'est un peu la... Ah non, justement, la cave c'est après, je me trompe. Hein. Ok. Vous allez voir pourquoi les caves c'est après d'ailleurs. Bon voilà, on a le premier char, donc je vais vous montrer un peu à quoi il sert. On va avancer tous ensemble vers la mission, mais j'aimerais bien peut-être avoir un petit peu plus d'unités. Ma caserne, pareil, je voulais pas montrer, mais je peux l'améliorer. 400 de plastique, j'améliore petite esthétique en plus, des caisses, hein, voilà. Donc là, c'est en train de s'améliorer, il faudrait juste pas mal de plastique, s'il vous plaît. Alors, vraiment, ils sont cons. Pourquoi ils font tout ça, alors que l'entrée est là? Pourquoi ils veulent me faire perdre du temps, eux? Donc là, ouais, plus d'électricité, hop, le convoi arrive, pas de soucis. On va être ravitaillé. On va peut-être faire des défenses. Ouais, au niveau des bâtiments, il y en a un seul en plus, c'est la DCA. DCA, c'est quoi? C'est tout simplement une défense anti-aérienne. Très contrastée parce qu'elle ne tire qu'en l'air du coup, et il n'y a qu'une seule unité en l'air dans le jeu, c'est les hélicoptères comme on l'a vu dans la cinématique. Mais moi personnellement je la trouve très forte et très utile simplement parce qu'elle tire de loin et a fait extrêmement mal aux hélicoptères et surtout des dégâts de zone. Donc voilà, il y en a beaucoup qui pensent que c'est pas utile, moi je trouve que ça peut être très utile, surtout en ligne hein, parce que les petits malins ils vous rushent en hélico, donc vous mettez ça bien autour de votre base et ça peut être génial. Alors voilà, ça ce n'est que mon avis. Ok, on a les ambulances qui sont là, on va pouvoir avancer je pense. A guérir sa caserne. Ok, toi pour les mines. Je vais faire un groupe avec les ambulances comme ça, ce sera un groupe de soins. Et là, on va faire un groupe, ce sera le groupe d'assaut. Sans oublier le démineur évidemment, le plus important, parce que les mines, on a vu. On a vu dans la mission 3 ce que ça faisait les mines. Ok, deux chars, pas mal. Un rocher, à tous les coups, vous avez les ennemis derrière le rocher, ça, c'est le coup classique de jeu, on commence à avoir l'habitude. Hein. La petite fonderie, bon, oh, ouais. Ok, merde. Bon, Sarge, SOS Sarge, ils vont me la péter, non. Pitié, non. Elle est améliorée, ça me ferait chier, je perdrais 400 de plastique. Nous avons des enfuis, on est vraiment des enfuis. Mais wesh, il y en a combien? On se fait harceler par là depuis tout à l'heure. Bon, bah la caserne coup dur, mais j'aurais dû faire des défenses, mais les défenses elles sont pas terribles pour l'instant. Vous avez vu le Mirador dans la mission 1, à quel point il est nul, donc... Bon, bah le retour de la caserne, hein. Je la mets à côté pour qu'on puisse ramasser la bloop de plastique. Si ça s'appelle bien comme ça. Donc là, attention, la surprise des ennemis. Ah, c'était sûr. Allez, Scorch, vous voyez, Scorch, faut pas le sous-estimer, parce qu'il est résistant, il fait mal. Surtout là, oh merde. Ok, tank beige, ça rigole moins. Donc là ils vont attaquer l'ambulance, je pense, non? Putain, ouais, le dégât de zone qu'il fait, le char, il tirait sur Sarge, il a quand même réussi à péter l'ambulance, c'est fort. Hein. Même Sarge, là, vous voyez, il fait pas le poids contre un... Oh, Sarge, ouais, tout simplement parce que le char est très résistant, hein, vous voyez. Alors Riff, en quelques obus, il décolle. Hein. Je l'aime bien Riff, c'est pas le souci, mais là, vous voyez, c'est très dangereux. Bon. Bon à la limite hein, je vais faire ma petite défense ici parce qu'ils sont harcelants, mais ça va exploser. Allez, on va se faire notre petite ligne de défense d'RTS. Allez, ça va être sympa. On a beaucoup de plastique qui
Et il nous laisse pas de répit en cette mission, vous voyez, je vous ai dit, plus l'émission avance, plus ça se complique, et là, on sent que les... Oh, attention, toi. On sent que les ennemis sont énervés. Bon, ok. Autre véhicule qu'on n'a pas vu, la voiture à mine. Donc, tout simplement pour poser des mines, hein, je vais la faire, ça peut être utile. Je vais faire plus d'ambiance parce qu'on en a besoin. Je vais laisser un char en défense, pourquoi pas. Donc là, je fais ma ligne de défense, je réaméliore ma caserne. Là, on n'est pas du tout défendu, donc s'il nous contourne, ce qui peut arriver, à mon avis, on est un peu mal. Ok. Ce serait pas mal d'avancer. Et vraiment, ils nous harcèlent par là. Wesh. Et ils veulent vraiment pas laisser tranquille Sarge, ils veulent pas qu'ils se soignent. Oh, riff. Ah, voilà, l'un des sites qui prend les dégâts aussi. Ce qu'on va faire, hein, c'est la stratégie banale, hein, mais les chars devant, tout simplement, parce que comme je vous l'ai dit, c'est les plus résistants, donc... Ah, qui ? Mais pourquoi il va... Oh là là ! Vous voyez, le mec... C'est ce que je dis, le problème de ces collecteurs, c'est que l'autonomie est trop développée. Il va n'importe où pour aller chercher un truc qui est là-bas. Mais passe par là, je sais pas, enfin... Faire attention aux mines, hein. Voilà, les chars qui avancent, ça peut être pas mal. Sarge qui suit, s'il te plaît. Sarge qui suit, s'il te plaît. Sarge qui suit, s'il te plaît. Ça me fatigue. Ok, c'est bon, on va pouvoir faire nos premiers lance-roquettes vu que ma caserne est de retour. C'est bon, les chars devant, on avance. Attends, à la mine, là. Attention qu'il n'y ait pas une mine. Ok, vous voyez, là, l'unité va attaquer le char parce que le char a moins de vie que Sarge. Qui m'arrange un peu, je vous l'avouerai. Là, vous voyez, le mitrailleur, c'est nul. Hein. Regardez, je l'ai dit, contre les soldats, c'est fort, mais contre le... Nul. Bon, alors. Voilà, ma ligne de défense, c'est n'importe quoi. Vous voyez, les barbelés se clipsent en... Attention, attention. Ouais, voilà, c'est mort. Est-ce que je peux faire confiance à Sarge? Bien sûr que je peux faire confiance à Sarge, ça c'est cool. Ok, donc là, on tient bien. Hop, on pète l'ambulance, on avance tranquillement. Il me semble qu'il y a du plastique par là, je suis pas sûr. Pourquoi pas les vérifier avec notre ami et un des mineurs. Allez, au pire. Bon, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait un truc là-bas, on va aller voir vite fait. Voilà, mes collecteurs prennent l'électricité, c'est parfait pour me faire des tanks et des ambulances. C'est ce que j'adore. Voilà, il me dit l'électricité parce que j'ai pas beaucoup d'électricité. Oui, le tank, bien sûr qu'il prend cher parce qu'il y a Brancy quand même, mais ça fait le travail. Ok. Bon, bah, ma ligne de défense, j'en suis assez fier parce qu'elle est pas mauvaise. Hop. Voilà. On va peut-être même ouvrir pour que les collecteurs puissent passer. Et voilà, du plastique. Ok, donc parfait, on revient là et on est presque vers la porte et ça va être bon. Ok, mes bazookas, ils sont là. Voilà. On avance. C'est parfait. Ok, bon. Voilà, on fait encore des tanks. La production est parfaite, le niveau d'électricité, tout ça c'est parfait, ça tourne. Vous voyez, les collecteurs font leur trajet. C'est ça qu'il faut bien vérifier, hein. C'est très important, c'est que les collecteurs tout simplement arrivent à destination et ils soient tranquilles sur leur trajet. Parce qu'en ligne, les gens vont vous amuser à vous péter vos collecteurs pour pas que vous ayez accès aux ressources. Ok, là on va ouvrir les barrières. Enfin, ouvrir les barrières, je pourrais passer par là, mais bon, je me dis, on va faire de la place. Medaille goal, on a 11 minutes sur 30, on va pas trop tarder, c'est parfait. Il faudrait que mes unités continuent de venir ici. Que des lance-roquettes, des ambulances. Des chars. Ouais, donc là j'ai fait la voiture à mine pour vous montrer rapidement, hein, vous pouvez placer des mines. Là je vais en placer quelques-unes si jamais je faisais rush par là. Ça peut être pas mal. Alors attention parce que quand vous placez des mines, c'est comme dans beaucoup de jeux, tant que la mine n'est pas construite, l'ennemi peut la voir, mais une fois qu'elle est construite c'est bon. Ok, on avance. On est vers la porte. Voilà, c'est bon. Là on arrive vers la porte d'entrée de la maison. On est vraiment bien, hein. On a une bonne armée, on est parfait. C'est pas la mine. Oh merde, ok. Donc là, l'hélico, vous voyez, hélico qui fait. Double hélico, oh la vache. Hélico qui font très mal, heureusement que l'autre est gêné. Oh, vous voyez, les hélicos, ça fait super mal. Heureusement que j'ai les lance-roquettes qui font des dégâts de zone avec rifle, vous voyez. Hop là. Donc là, elle a voulu me rush à l'hélico. Ouais, et vous voyez, en ligne, l'hélicoptère, il peut passer au-dessus des feuilles, là où je ne peux pas aller en temps normal. Donc l'hélico, c'est très mobile, ça peut aller partout, c'est un avantage. Ok. Donc là, vous voyez, encore un avantage, alors beaucoup de collecteurs, c'est que malgré les fortes distances, au lieu de rapprocher le dépôt, bah ça tourne assez bien quand même. Là, j'ai plus d'électricité que de... Okay. Bien. Ouais, pas mal. On est à la porte d'entrée. Happy Jack qui parle. Ok, qu'est-ce que nous a dit Happy Jack avec sa voix d'alcoolique, si vous préférez. C'est que tout simplement, la porte est fermée, qu'il faut une autre entrée. Donc je vous parlais de la cave, hein, c'est parce que c'est la mission suivante justement que je me rappelais. Entrer par la trappe qui nous mènera à la cave pour entrer dans la maison. Ok, donc là j'allais... Oh merde, on va pas l'aimer, tank beige. Scorch, initiative, voilà, regardez, hein.
Nouvelle défense, le bunker, c'est quoi un bunker? Un ennemi mitrailleuse qui fait très mal, vous l'avez vu. Technique contre le bunker que je... Oh. Ok, disons que c'est pas un membre de la compagnie, ça me va. Du coup, technique contre le bunker qu'on avait qui tire rouge, d'ailleurs, c'est un peu bizarre, des missiles rouges, c'est le char. Pourquoi le char? Pas parce qu'il est résistant, mais parce qu'il peut tirer de plus loin que le bunker, si vous le faites bien, vous voyez. Là, le char a une case d'attaque de plus, du coup il peut tirer de plus loin. Merde, là ça m'arrange pas. Ça, alors ça, tant qu'on lance enquête, je suis même pas sûr que... Ouais, si, heureusement que j'ai le bonus d'armement, je pense que le tank y arriverait quand même. Son sergent con. Et voilà, donc là, le tank tire de plus loin que le bunker. Ça en ligne, il y en a pas mal qui le font aussi, c'est assez intéressant. Ok, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais pas aller par là, mais plutôt par là. Pas parce que ça mènera à la trappe, mais parce qu'il y a un bonus, il me semble, le deuxième bonus en question qu'on cherche. Il s'agit là du bonus de santé. Ok. Par contre, la plastique, on est un peu en rade. Hein. En même temps, je produis beaucoup. Ok. Attention, voilà. Bonus de santé. On se le prend. Signal sonore, je le répète beaucoup, mais c'est important. On a tous les bonus nécessaires à notre victoire. Donc là, il n'y a plus qu'à finir en moins de 30 minutes. J'espère qu'on n'a pas fait plus de 16. 14, c'est bon. Ok, ok, on est dans les temps. Il y a juste à passer tranquillement par là. Un petit pneu de voiture un peu mal fait. Non. Ah, si on voit quand même un peu le châssis, ça va. Donc je vais passer sous le 4x4, il me semble. Et voilà, passer sous le 4x4, comme je disais, et accéder à la trappe. Ok, on y va tranquillement. Bon, vous avez vu qu'il y a quand même une nouvelle défense, hein, c'était pour moi la meilleure. Le bunker, qui donc est un espèce de nid de mitrailleuse qui fait très mal aux soldats et assez mal aux véhicules. Mais après, si je pouvais critiquer un peu au niveau des défenses, dans RTS, les défenses, c'est vraiment pas les meilleures. Hein. Franchement, elles sont même plutôt facultatives, parce que vous pouvez très bien défendre avec vos soldats et tout ça, parce que la tour de garde, hein, vous l'avez vu, c'est super nul, surtout que du coup. Et le bunker, ça va, mais ça coûte assez cher, 300 de plastique, il me semble, donc ça peut être assez chiant à produire, et c'est surtout assez résistant, mais bon, c'est toujours pas la meilleure. Ok, donc là, tour avec mitrailleur, alors riff, c'est pas le con. Voilà, hein. J'avais été sûr qu'il allait se faire bloquer. Wesh. Alors ça me dérange pas que ce soit l'ambiance qui prenne cher. Ok. Pas perdre de héros, c'est tout. Ouais, alors là, le char s'en va parce qu'il peut pas tirer en l'air, hein, donc ça le fait paniquer. Donc là, il attaque l'ambiance parce que l'ambulance guérit Sarge. J'arrête de guérir Sarge, il va attaquer autre chose. Ah non. Parce qu'en fait, il détectait que l'ambulance là. Bon. Ok, j'ai tué un troisième hélicoptère. Je pense que c'était le dernier, parce qu'il y en a pas à l'infini dans cette mission. Les renforts arrivent, parfait, on est dans les temps, ça baigne, tout baigne, tout baigne, ok, on se fait attaquer. La base ennemie est là-bas, donc tous les scripts d'attaque passent par là, je pense. Ok, on est bien, on est bien. On est bien. Ah, encore la queue leu, c'est vraiment le plus chiant dans le jeu, hein, finalement. J'aurais dû faire un groupe avec les ambulances pour pas qu'elles gênent trop. Ok, là, hop. Alors là, par contre, le pire, ce serait de se taper une mine, donc Mr. Hoover, t'as intérêt à faire ton taf. Il va même faire d'autres mines mineures tellement je suis devenu parano des mines à cause des conneries. Ok, hop là. Donc là on avance tranquillement vers le 4x4. Ok, d'accord, il a voulu me prank. Ok. Bon, le nom de la mission c'est Full Plastic Jacket, on peut supposer que c'est parce qu'il y a beaucoup de plastique, hein, parce qu'on en trouve vachement. Oh merde, alors attends. Ouais, alors vous trois les cocos là, vous y allez pas parce que vous avez plein de conneries. On envoie les chars, hein, parce que c'est vraiment la technique, je trouve. Non, Hoover. Ouais, alors toi, tu vas mourir, hein. Ouais, on va quand même le sauver. Vous voyez comment il perd sa vie vite. Bon, heureusement que c'est pas un héros. Ouais, le tank, hein, qui tire de plus loin, comme d'hab. Bon, voyez, s'il se rapproche trop, le tank peut quand même prendre tarif, donc faire attention. Ok, on est parfait, on casse les barbelés. C'est quoi ça, une ambulance, on la casse. Ouais, vous pétez le carburant des Belges. C'est pour vous aider, en gros, le carburant, ça fait quoi, ça? Oh, merde. Allez, il va tirer sur lui. Oh là là, on a esquivé un obus de char, ça c'est plus dur qu'une grenade à esquiver. Ok, impeccable. Impeccable. Ouais, on va peut-être gagner les troupes, on a le temps. Merde. Allez, les ambulances guérissées. C'est quoi ça? Un lance-roquette. Ah, Scorch, c'est à plaisir. Scorch, allez, venge-toi pour ta mission 3 où tu nous attends fait chier. Montre que tu es digne d'être dans la compagnie, bravo. Ah, attention à la mine, Scorch. Non, ça. J'ai confiance en lui, mais pas trop, merde. Je vois pas ce qui se passe, ça me stresse. Okay. Les chars. On n'a pas perdu Riff, non, il est là, impeccable. Niveau temps, on est bon, hein. 18 minutes largement. Alors, franchement, cette mission, bon, l'objectif de temps, faut vouloir pour pas l'avoir, faut prendre vraiment son temps, je pense.
Ok. Alors, un truc que je vous ai pas expliqué qui peut être important, c'est une petite astuce, c'est au niveau des productions. Comment savoir si l'ennemi est en train de produire une unité au moment où j'attaque le bâtiment? Tout simplement, si le garage et le niveau de plastique baisse dans le garage, c'est qu'il y a une unité qui est en train de se produire. Également, avec ce niveau de plastique dans la caserne, si ça baisse ou si les cheminées sont activées, c'est qu'il y a une unité en production. Ok, bon, on finit tranquillement la mission. Oh, prenez pas une mine, normalement il n'y en a pas. C'est juste pour lui que je fais ça. Hein. Ouais. Parfait, on va casser les bâtiments. Donc là, vous voyez, le QGB, j'ai plus amélioré que le mien. Et la troisième amélioration, l'antenne satellite pour les hélicoptères. Également dans le garage qui est amélioré, donc la petite tour de contrôle, on va dire, pour faire des hélicoptères. Ok, parfait. Bon bah, parfait, je pense que la mission 3, ça passe. Hein. On est dedans, on est bien. Tout baigne, pas de PR. Médaille d'or, moins de 30 minutes. En difficile, je pense que cette mission c'était pas la plus inquiétante et je le savais finalement parce qu'on avait une base, on avait le temps de se mettre bien. Donc tranquillement. Attention à la mine. Passe devant toi tellement tu me saoules. Je rigole, il y avait une mine ici que j'ai failli me la prendre. Allez. Arrêtez de vous gêner les gars. Ils sont relous, hein, il y a des embouteillages en fait. Non, c'est bon. Les fourbes n'ont pas mis de mine cette fois. Ok, donc là c'est bien ce que je disais, on va entrer par la cave, la petite trappe de la maison. L'enjambée de Scorch comme d'hab. Ah, on a vu un nouveau héros qu'on verra après, le saut de scie qui est minable et le beau gosse de Sarge qui saute aussi. Voilà. Bon bah je pense que ça va être bon pour cette mission. Je sais pas si vous avez vu, il y a Sarge qui respawn à la fin de la cinématique. C'est un peu bugué. Médaille d'or, il n'y a pas de souci, on en était sûr, voilà, Rifle nous le montre, on est comme ça en ce moment. On a réussi du premier coup, et il n'y a pas de souci. Mais on fera moins les malins rapidement quand les pires missions sont arrivées. Retenez bien mission 6, là ça va être l'enfer. Ok, donc médaille d'or, finir en moins de 30 minutes, on a fini en 19 minutes. Prendre tous les bonus, on a pris tous les bonus, 13 pertes, 70 kills, ça va, 72 kills pardon. Plastique à 8000, heureusement qu'on n'avait pas un objectif de plastique, électricité 2600, c'est pas mal non plus. Ok, donc là c'est fini, on passe à la mission 5, la cave, ça roule. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à vous de voir. J'espère que la vidéo vous a plu, donc cette fois c'était plus détente, il y avait moins de stress. Quoique, faut toujours faire attention aux unités, vous l'aurez compris. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo, mission 5, ça marche. Bonne journée, à la prochaine, salut!